Colonel Angola, comment tu peux comment dire, comment tu peux publier une personne alors que toi-même là, quand on a vu toi-même, tu étais patapouf et tu gonfles comme comment dire, ta BS Micheline Pompé. Tu gonfles comme le tapioca. Tu publies une femme avec sa maman. Tu as vu ta maman, sa maman? Eh, vraiment, si Dieu pouvait te... Tu as vu sa maman? Hein? Regarde-toi, tu regardes sa maman. Donné, on lui donne un téléphone, elle prend ce téléphone-là. Elle va donner à Papa Poulet. Papa Poulet prend tout ce qui est dedans. C'est moi qui fais le chantage. Pour prendre l'argent. Elle fait le chantage, Angolo Mouléma. Pourquoi? Parce que Micheline Pompé est derrière ça. Micheline Pompé, et toi-même là, pose ta caméra. Pourquoi tu ne peux pas relever mon défi, non? Pose ta caméra. Tu dis que tu es venu effrayer les gens. Tu peux effrayer de le monsieur ton enfant? Hein? C'est un animal qu'on effraie. Hein? C'est un animal qu'on effraie. Toi-même là, quand on t'effraie là, toi-même, virus Lydia était venu ici, tu n'as pas poum. Micheline Pompé, virus Lydia est venu ici à porte de la chapelle. Tu as poum, tu as entré dedans, Tokyo, et tu viens dire que tu n'es pas hypocrite. Eh, Agaba, Womo, on connaît comment tu fonctionnes. On connaît comment tu fonctionnes. On connaît comment tu agis. Tu ne fais pas le sale. Après, tu dis que, oh, mais ça, c'est pas la même, comment on appelle ça? La même qui a publié soi-disant de l'homme les malins. Hein? C'est la même qui est venue dire que tu voles les matelas, non? Ou bien je suis Alzheimer. On parlait ressortir les remèmes là. C'est elle qui est venue dire que tu voles les matelas des orphelins. C'est elle. Oui ou non? Hein? Comme vous faites ici, aide-moi à détester. Comme vous croyez que vous êtes plus intelligent et intelligente que les autres. Moi, j'ai dit que je suis avec toi. C'est toi. Si tu vas publier de l'homme Lema, publie de l'homme Lema. Tu la connais, non, c'est ta copine. C'est ton ex-copine. Pourquoi tu n'as pas ce cran-là? Pourquoi tu n'as pas ce courage-là? Pourquoi tu vas passer par cette racaille-là? Parce que ce n'est pas parce qu'elle travaille à la poste. Tu sais que les gens peuvent la porter pleine. Travailler dans une poste, c'est quand tu travailles dans une poste ou bien tu es conseiller dans une poste, tu dois garder les informations des gens. Tu n'es pas censé divulguer les informations de quiconque qui est à la poste, qui est client de la poste. C'est une peine d'emprisonnement. J'espère que tu es au courant quand tu viens verser la vie des gens ici dehors. Surtout les gens que tu connais. C'est toujours la même bande. Et toi et Micheline Pompé, et toi, vous ressemblez. C'est tous les gens de la même sion. Vous publiez, j'ai dit non à la publication. On ne doit pas sortir les faux profils. Les faux profils, vous ne devez, on ne doit pas publier les faux profils. Laissez les faux profils même décider à quel moment ils doivent sortir. Toi, tu publies les faux profils, tu t'es regardé toi? Est-ce que tu t'es regardé à la glace? Parce que Gringa la mendiante, hein, Gringa. Celle qu'on repasse et on repasse 10 000 fois là. Celle qui met deux poissons dans la mamie, elle dit qu'elle prépare le bourreau chobi avec un morceau de plantain. Celle qui met deux poissons, même moi là, même si je suis celle chez moi, elle ne met pas deux poissons dans la mamie. Je me prépare toujours pour que si quelqu'un frappe à ma porte, au moins tu as de quoi manger. Deux poissons. Deux. Tu n'as plus l'argent. Avec un manioc que tu as coupé à morceaux. Micheline Pompé, tu crois que tu es plus sage que qui? C'est toi qui es derrière ça. Derrière ces photos-là. Et quand vous commencez, quand vous commencez à publier vos gens, on a toujours dit ici sur la toile, publiez les gens, mais laissez les mamans, laissez les enfants. Moi, je suis sur toi, je n'ai jamais pris la photo de ta mère et mettre sur la toile. Je suis la mendiante avec quoi? Hein? Je suis mendiante avec quoi? Tu dis que c'est toi qui es la mendiante, ma chérie. Tu vois, je lis aussi en gringa de lit comme je lis là. Dis en gringa de lit comme je lis là. Elle me calcule, aura. Aujourd'hui, demain, après-demain. Elle me calcule. Si elle ne me calculait pas, elle n'allait pas me bloquer. Si ce que je dis, ça ne la touchait pas dans sa chair, elle n'allait pas me bloquer. Elle n'avait pas venu montrer son gars. Tu comprends? C'est elle qui vend le piment dans le camion. C'est pas moi. Moi, elle ne vend pas le piment. Montre-moi ma part de camion. Terriblement mariée. Elle achète, elle va arracher les maris des gens. Les maris des gens. Elle a dit qu'elle montre les bulletins de salaire. J'attends ces bulletins de salaire. J'attends les bulletins de salaire de Gringa. Même pas le 10, elle n'est pas une meneuse. Elle n'est pas une meneuse. Arrêtez d'afficher les gens. Arrêtez de vous moquer. Celle-là qui affiche de l'homme Lema, soi-disant c'est de l'homme Lema. Ma chérie, toi-même là, vous insultez les gens qui sont obèses. Mais ils regardent toi-même. Maman a 100 ans, bien placée. Ça ne dit pas de vent. J'ai dit, ça indique que ça ne bouge pas. Maman a 100 ans. Dis à Gringa, quand tu regardes la maman de l'homme Lema et Gringa la mendiante, maman Pompé, elle a mis, on voit bien que cette photo-là a été coupée. Parce que le bras est coupé. Hein? Le bras, c'est un montage de toute pièce.
Moi, je n'étais pas à l'école. Mais je te dis, c'est un montage de toutes pièces. Et, comment dire, Oro Langula. Hein? Toi qui connais la vie des de gens là. Mais pour toi, là, on t'a mis, maman, tu es la plus laide de la toile. Après, Boumkena, c'est toi la plus laide de la toile. Vous les bandes là, vous êtes la tête de Béaba, ne connaît pas. Un homme ne peut pas garder. Après, il faut apprendre d'abord comment on garde un homme. Comment une femme doit vivre. Comment une femme doit travailler. Tu ne la cherches pas. Il faut lui chercher un poste à la poste. Là, pour qu'elle lave les sols. Pour qu'elle emballe les courriers. Elle va emballer les courriers, elle ne sait pas lire. Comment elle va emballer les courriers. Hein? Il faut la trouver du travail. Maintenant, elle est sur contrat 250 euros. Même moi, je peux l'employer. Moi, dis que tu n'es pas, tu ne connais pas ce que je cherche de l'ingrénat. Il faut demander à l'ingrénat que pourquoi tout le monde qui était autour d'elle. C'est la même chose. Et voilà Dolo Moulema. Elle a publié la maman de Dolo Moulema. La maman qui n'a rien fait en Grenga, hein, à Oro Langula. Quand on va mettre la maman sur le nierek, sur la toile là, vous avez dit que oh, on est méchant, oh, on a commencé, oh, vous aimez parler. La maman de Dolo Moulema, personne ni Oro Langula, ni Ma Tempête ne peut pas atteindre cette maman là. C'est la classe, la classe. Le bio de bio. Une femme qui n'a jamais fait le djansan. Une femme que quand tu vois, c'est parce que tu la connais. Je l'ai vu de mes propres yeux. La classe, quand elle marche, elle n'a pas, elle ne gonfle pas comme toi, ma mendiante. Ma mendiante, rien que pour ça, j'achète le problème. Ma mendiante. Ah oui, oui, oui. Est-ce que ta maman peut être aussi nickel comme cette maman? Est-ce que ta maman peut être. Est-ce que tu as vu même que le bras danse? Pourquoi vous aimez gâter ce qui est propre? Pourquoi vous aimez gâter ce qui est propre? Et c'est ma mendiante qui est derrière ça. Je vous mets, c'est comme ça qu'elle est. C'est ma mendiante. Parce que Gringala mendiante, elle est toujours comme ça, elle ne fait jamais le sale. Et donc, dites-moi un peu de vous à moi. De vous à moi. Pourquoi Oro Langula n'a pas publié Dolo Moulema et sa maman depuis? Pourquoi maintenant? Hein? Pourquoi maintenant que Oro Langula, la sorcière de la toile, se met à publier une femme, hein, une de ses sœurs? Quand on dit qu'on est Tinda, Oro Langula, tu serais Tinda de Gringa jusqu'à la race Calas. Tu serais Tinda, quoi, au soin? Quoi, au soin, Oro Langula? Non, quoi, il y a Limbo, il y a Limbo, Zulassi, quoi, au soin? Et ça ne choque pas. Tu serais une place. Tu sais ce qu'on appelle une place. Tu pleures de Dolo Moulema. Avant ta fierté, tu demandes pardon à Dolo Moulema. Ne pas passer derrière les gens pour publier sa mère, pour publier Dolo Moulema. Tu parles que, oh, c'est mon beau. Toi, là, tu peux avoir un beau. Tu peux avoir un beau comme le mari de Dolo Moulema. Hein? Tu peux avoir un beau fils comme le mari de Dolo Moulema. Hein? Une voleuse de mari comme ça, là. Tu veux dire que tu as les yeux là-bas. Parce que Thierry est parti. Maintenant, tu as les yeux là-bas pour dire que mon beau. Après, une fois que ici, il te donne un peu. Hein? Tu ne veux plus appeler ton beau. Tu ne peux plus appeler ton beau. Pitiation, Founa. Pitiation. Hein? Aucun homme ne peut t'assumer. Aucun. Aucun. Oro Langula, tu n'as pas quelqu'un pour donner ta BS. À Mangrenga, à Tempête. C'est comment? Tu as seulement la vie des gens que tu viens mettre sur la toile. Hein? Tu n'as pas un homme qui peut assumer cette femme-là, à part ceux qui viennent la repasser. Tu n'as pas. Hein, Oro Langula? Tu publies la maman de quelqu'un? Hein, Oro Langula, tu publies la maman de quelqu'un? Tu n'as pas honte de publier une femme qui vous dépasse, tout vous tous là? Et Oro Langula, quand tu publies Dolo Moulema peut te nourrir. Tu sais ça? Tu sais ça? Dolo Moulema peut te nourrir. Peut te nourrir. Les arracheurs, donne un bonjour Dolo Moulema. Parce que je la maîtrise. Je maîtrise le personnage. Vas-y. Passe par d'autres personnes pour m'afficher, ma chérie. Je dis que moi, je ne peux pas les histoires quand tu fais le chantage là. Oh, on est fatigué. Viens vomir tout. On est fatigué. Hein? Je connais tes méthodes. Comme tu faisais, tu disais que affiche-moi, comment dire, Tatiana Koni. Tu passais par les gens, tu envoies les photos à tout le monde. Oui. Et je connais que vous avez l'intention de le faire. Faites-le. On va régler ça. Elle dit qu'on va régler ça. Oui, on va aller régler ça. Comme le père Sarandi, tout le monde est soudé. Tout le monde est soudé comme la veuve. Je lui ai dit qu'il ne faut plus qu'on s'insulte entre nous les petits. Mais une personne comme ça là, moi, tu as commencé à. Moi, je n'ai jamais rien fait. Je ne t'ai jamais insulté. Mais tu as passé ton temps à faire les photos sur moi. Tu as passé ton temps à faire les photos sur moi, toi, Oro Langula. Tu as passé ton temps à faire les photos sur moi. On vient m'insulter là-bas. J'ai pris ta photo. J'ai aussi affiché. Dit que, ah, moi, m'insulte de Michelin. Alors que toi, j'étais Michelin. Maintenant, tu prends maintenant. Tu viens maintenant. Tu prends en direct. Tu commences à me lyncher dedans. Mais franchement, tu prends la maman de Kouy. Tu prends la maman de Kouy. Tu viens, tu affiches. Pour travailler pour qui? On t'a dit que la personne pour qui tu travailles, elle t'aime d'abord. La personne pour qui tu travailles, elle t'aime d'abord. Si tu savais ce qu'elle disait de toi quand tu t'occupais de l'enfant de son neveu, si tu savais ce qu'elle disait de toi quand tu t'occupais de son neveu malade, et que tu t'es battu pour faire qu'on cotise, si tu savais ce qu'elle disait sur toi, je vous ai dit qu'elle est unique. Moi, je n'ai jamais risqué personne. Hein. Ce n'est pas mon but d'en risquer les gens. Ce n'est pas mon but. Mais ce qu'elle a dit, elle dit que tu as honte de toi-même. Toi, Oro Langula. Mais nous, on a mis Kengonion. Elle dit que je n'ai même pas envie de t'insulter. Mais maintenant, nous, on a mis Kengonion. Je partage pour les. Elle s'appelle comment? Pipi, vous dépasse. J'affiche ta photo dans le gang. Pour qu'il s'en. Pour la porte dans le gang. Parce
Monaco, c'est elle là qui m'avait envoyé la photo de Cristiano Monaco, ce n'est pas moi. Je suis pas allé fouiller là-bas. Et la mère de Cristiano Monaco, c'est elle aussi qui m'avait envoyé ça. Mm-hmm. Quand tu dis ça, affiché. Je connais ta méthode, tu passes par les gens pour leur mettre la pression. Allez-y, affichez là. Et je sais que vous avez l'intention de m'afficher. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Mais ça serait une place. Ça serait une place. Vous allez chercher quoi bouffer le Djangui, ça serait une place. Voilà ma part que je suis en train de bouffer là. C'est une place. Je ne suis pas avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de bouffer le Djangui avec quelqu'un. Oh. Je bouffe ça une place. Oh. Je ne sais pas si on se comprend. Donc mets-toi à l'aise, ma chérie. Mets-toi à l'aise, comme il faut, comme ça se doit. Parce que moi, je ne viens même pas te gérer. Fais du sale. Tu es en train de voir comment les gens sont ensemble. Tu vois comment ils sont soudés. Toi là, tu viens, tu me laves alors que je n'étais jamais fait en roi Angoula. Tu m'as traité de tout. Tu m'as traité de tout. Je ne t'ai jamais prononcé. Tu as les débats avec Patrice Amel. Tu as les débats avec Zouamat. Tu as les débats avec le PMSA. Tu as les débats avec tout le monde. Moi, je ne t'ai jamais insulté. On a calé sur ta page, on voit les saletés que tu as fait sur moi. Mais quand je me posais sur toi, tu ne me fais pas peur. Dans le moulema, aucune te casse de poste en disant non. Dans le moulema, je te soutiens. Il n'y a personne qui m'assume. Il n'y a personne qui m'assume. Malgré qu'on est plus nombreuses. Parce que les faux profits que vous voyez là, il n'y a aucune TKC qui est revenue. Hein. Je vous dis à la bosse ça. Il n'y a aucune TKC. Je peux vous prouver ça. Les mêmes TKC que vous connaissez là, c'est les mêmes TKC qui sont en train de venir avec d'autres faux profils. Et je sais qu'il y a certains. Bah, je vais pas indexer les abeilles pour le moment là. Mais il y a certains abeilles qui me détestent, qui viennent avec d'autres faux profils pour m'insulter à mélanger avec la TKC. La TKC est finie. Il n'y a plus de TKC. On n'atteint même pas fin. Et je peux vous prouver ça. Vous n'avez qu'à laisser. Moi, je ne parle pas de ces partisans. Je parle de TKC pur, sûr et dur. C'est les mêmes gens. Parce que Christian de Monaco a plusieurs faux profils. Et il y avait tous ces faux profils pour m'insulter. Lola Judas, pareil, elle a plusieurs faux profils. Elle vient m'insulter. Elles sont nombreuses comme ça. Ne regardez pas les feuilles de paille que vous voyez là. Ne regardez pas ça. Il n'y a plus de TKC. Il n'y en a plus. Si c'est qui encore une TKC, regardez. Lisez la cour de fin direct. Elle dit que c'est Christian de Monaco qui vient à cotiser. Donc c'est Christian de Monaco votre moins cher. Donc c'est lui que vous mettez pour me recevoir votre poche. Oui. Eh, vraiment, quelle souffrance. Si vous avez compris ça comme moi, je l'ai aimé. Non, je l'ai aidé moralement. Ma soeur, ici, elle n'appelle pas son nom. Elle s'appelle Renga Lamandiane. Micheline Popé. Je dis que je n'ai peur de personne. Je venais parler quand moi j'aurai envie. Pas parce qu'on m'a donné les ordres. Pas parce qu'on m'a dit de venir faire. Je ne marche sous la pression de personne. Tu es comme moi, comment Nancy tape sec à compresseur et à Oro Angoula. Que pourquoi Oro Angoula vient publier la maman de Ndolo Moulema? C'est là qu'elle ne comprend pas. Tantôt c'est que oh, c'est la maman de Ndolo Moulema qu'on a publié avec Ndolo Moulema. Tantôt c'est que oh, on a pris une autre personne, on n'a pas publié. Pour finir, tu ne comprends pas. Apparemment, la photo qu'Oro Angoula a publiée, là, c'est Ndolo Moulema et sa mère. Je ne sais pas pourquoi Ndolo Moulema accuse. Compresseur, vu qu'elle-même a dit que ce n'est pas elle, doit peut-être intimider, peut-être elle a juste montré peut-être le téléphone de ton mari que bon, regarde, tu te rappelles de ce téléphone, ça ne fait pas ça, peut-être compresseur, une mauvaise personne que bon, tu dois maintenant entrer maintenant dans tous les lives, clash compresseur, de le moulin, tu apparais, comment et c'est toi qui attends encore le soutien peut-être des TKC, et pourtant, eux-mêmes, tu penses que les TKC peuvent te soutenir. Et quand peut-être eux-mêmes, ils voient comment tu interviens dans les lives de Nancy, comment Nancy clash maman Pépé matin, midi et soir. Aucun TKC ne peut te soutenir. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, on ressent juste la colère, on ressent juste que tu es uniquement avec l'esprit de vengeance, que tu veux te venger de compresseur. C'est juste pour dire que vraiment, les réseaux sociaux, non. Les mêmes gens avec qui vous étiez avant sont les mêmes gens qui viennent aujourd'hui vous lancer la verdict populaire. Oui, ce sont les mêmes gens-là qui décident de balancer vos secrets. Et Ndolo Moulema dit donc, si elle voit sa photo dehors se balader, elle va afficher tout le monde, donc elle va afficher tous les faux profils. Hey, Adama, donc comme ça, on va afficher le nombre uno de Maman Pépé qui est Christian de Monaco. Oui, donc Ndolo Moulema dit carrément qu'elle va afficher tous les faux profils des TKC, carrément que les TKC même n'existent plus, mais elle va quand même afficher les TKC qu'elle sait d'office que non, que vu qu'ils avaient des groupes WhatsApp secrets, qu'ils communiquaient ensemble, là où ils sabotaient, ou alors ils disaient qu'on parle chez tel star aujourd'hui. Hein? Donc vous-même, vous comprenez aujourd'hui que le mal est tellement profond que Nancy et Ndolo Moulema se sont associés pour détruire compresseur. Oui, c'est Nancy qui est en train de manipuler Ndolo Moulema. Pourquoi? Parce que quand vous ressentez Ndolo Moulema parler, donc elle a encore de la peine de parler mal de compresseur parce que tu sens que Nancy déteste vraiment compresseur. Mais Ndolo Moulema n'est pas encore au stade de détester compresseur. Pourquoi? Parce qu'elle appelle encore compresseur avec du respect. Oui, elle appelle encore compresseur par son nom. Donc c'est déjà signe de respect. Mais Nancy veut toujours pousser Ndolo Moulema dans la haine. Sauf qu'appeler compresseur par son sobriquet que je l'appelle. Donc vous voyez comment la manipulation, vous voyez comment on pousse une personne à détester une personne avec qui elle était hier. Oui, c'est ça alors les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tu peux te séparer avec une personne, mais son adversaire ou alors celle avec qui vous êtes en communication vient te pousser
à faire des sorties sur elle. Pourquoi on comprend juste que c'est Nancy même qui est derrière Ndolo Moulema. C'est Nancy qui essaie Ndolo Moulema de faire les sorties sur Maman Pépé. Quant à moi, Maman Pépé, mieux tu fais vu une photo de Ndolo Moulema dans ce téléphone, peut-être qu'on a flashé, vu qu'apparemment on t'accuse que tu as donné le téléphone là à Amec. Apparemment, Amec a tout vidé le fichier, il a mis un truc dedans, il a mis aussi dans sa part de machine. Donc c'est juste pour dire à Maman Pépé que comment je t'accuse, mais je ne pense pas que Maman Pépé peut-être peut prendre un téléphone qu'on lui a donné. Vu qu'elle utilise ce téléphone, elle prend ça et donne à Amec. Mais non, peut-être elle a juste eu à faire peut-être un petit sorcier sur ça à Amec. Comme Ndolo Moulema parlait simplement peut-être à Amec, Ndolo Moulema m'a dit qu'elle veut sortir sur moi. Pourtant, j'ai certains trucs sur elle. J'ai certaines choses que dans son téléphone, ils n'ont pas supprimé. Peut-être c'est comme ça aussi qu'elle a dit. Et Amec, à moi aussi, comme vous le connaissez, il est peut-être qu'il a commencé à faire ses lives. Il a dit que Ndolo Moulema, tu te rappelles qu'il y a des choses encore dans le téléphone là. Et voilà comment Ndolo Moulema aussi n'a pas su. Elle a commencé à s'agiter sur les réseaux sociaux. Et Nancy, maintenant, vient maintenant la manipuler. Que, oh, tu as vu, c'est comme ça que le compresseur agit. Tout ça, c'est la manipulation de Nancy. C'est entraîné Ndolo Moulema. Donc, quant à moi, mieux vous laisser l'affaire Ndolo Moulema. Elle a carrément décidé que si on l'affiche, elle aussi, vu qu'elle a dit que si on l'affiche, et vu qu'elle m'a déjà sorti du noir, elle va balancer tous les autres faux profils. Et ce n'est pas Ndolo Moulema qui décide de balancer tout. En tout cas, la famille, vous savez, comme moi, les réseaux sociaux, sinon, c'est vraiment risqué. Bon, merci encore.